Aujourd'hui, jour 7. Est-ce qu'on sent la fatigue? C'est pas trop pire. On a bien dormi cette nuit. Ce matin, on était allé au jeu d'eau. Hier, on était allé à la piscine. Mais il y avait des jeux avec les fusils. On a eu vraiment un super bon moment. Et puis là, aujourd'hui, on s'en va à Magic Kingdom. On va aller dîner. On a 3-4 fast-pass. Ensuite, le souper. Puis ce soir, on va aller prendre ça mollo à Disney Springs, là, espèce de, c'est l'ancien downtown Disney, tout au magasin. On va jeter un œil là, puis se lécher la vitrine. Bravo à tout le monde. Ah, ben, papa, il est resté de la poussette et de chez nous. Comme des amis, des enfants, un Mickey, l'autre des on. C'est quoi? Tu sais-tu? J'ai tellement aucune idée. On va le découvrir tantôt. Ouais. Sûrement que Mélanie vous le voudra. Nicolas, il fait salut à tout le monde. Nicolas, tu peux pas te faire par là. Oui. Deux heures, ça commence à être la folie à Magic Kingdom parce que c'est la parade. Puis là, nous autres, on s'est mis sur le bord. Il y a un petit jardin devant, mais tout après, c'est la parade. Je pense que ça va être assez surélevé, ça va faire là, il y a des espèces de... Toute la rue est bloquée, là. Quand les gens filent sur le carré, la fille, elle s'excite. C'est quand même très curieux. Il y a un carré de dessiné avec du tape à terre. Puis quand tu mets le pied dedans, tout le monde s'excite. Je sais pas. Take your places and prepare to welcome the wondrous and wonderful. Crever là-dedans ceux qui font les shows. Il fait chaud ici, on sue, eux autres dans des gros costumes. C'est la fin de la parade. Tout le monde va se mettre à les suivre. C'est la folie! Allez, ça va dans les... Là, on est rentré dans le Tiki Room. C'est un show qu'on n'a aucune idée c'est quoi. C'est comme le show préparatoire, là, avec un thème quelconque. Ça va, Mélo? Ah! Oh well. Laurent? Ben oui, t'aimes-tu ça, Laurent? Moi, j'aimais pas du tout ça. C'était ça.
Ça, c'est le château de Belle. Et puis, ce restaurant-là, je pense qu'il a fallu... Il a fallu le réserver au moins 6 mois d'avance. C'est la bête! La bête! Si on a une photo de toute la famille avec la bête, ça va être quand même cool. C'est ici qu'on attend pour aller voir la bête. Ça va prendre la photo. Mais le dit, je pense qu'il t'a trouvé mignonne. T'aimais ça? Les sacs, les sacs. Il reste 40 secondes, les mains dans le dos. C'est la fin. On s'en retourne à Montréal demain. Comme on n'a jamais assez, Michel et son plan, c'est en fait d'aller à Disney Springs. Fait que là, on reprend la route puis on s'en va à Disney Springs, c'est le downtown. Il est 7h10. On va s'user à corde. On va voir un Magic and Poon. En fait, Michel a trouvé un magasin Anthropology. So sweet. Là, on est arrivé à Disney Springs. C'est beau, il y a bien des affaires. Ok, ça c'est le bolide qu'on a construit. Pensez que ça va gagner? C'est moi qui l'ai construit. C'est trop. On a mis beaucoup de poids, plein de cochonneries. C'est assez équilibré. Très, très épilé sur le long. Ok, on va le mettre sur la piste. Ok. Ça c'est le note, ça va être vraiment hot. Attention. Tiens. Oh yeah! Hey, on a gagné, yes sir! Hey Milo, on a gagné! As-tu vu la course? Je pensais pas qu'on étirerait la veillée encore une fois, mais là ça commence à être le ouf! J'aimerais que tu achètes ça et ça. Tu veux pouvoir le refaire à la maison? Ben oui! Le petit cœur, les petites pièces. Ok, on va pouvoir le reproduire. Hein? X, c'est beau, Mélodie, des belles petites pièces, hein? Fait que t'as fait ça, toi, Laurent? Ok, go, mets-la à la place. C'est beau. Attention. Wow! Bravo, Laurent! Tout ça, c'est construit en Lego. C'est incroyable, c'est bien gros. Le dragon. Tout ça, le feu du dragon, wow! C'est vraiment gros, là! Wow! C'était vrai, donc! Wow! Cheese, Paul! Wow!
Ici. Ici. Ils sont des inconnus. Je viens d'éveiller.